plusieurs fois. Il n'y en a plus. Est-ce qu'on peut m'offrir un peu de champagne quand même? Ça fait misère. On n'a pas tous les jours 20 ans, n'est-ce pas? Il y a du son là-dedans, ça marche. Hein. C'est formidable. Alors, où est le champagne? Je ne fais pas plus. Non, je sais que je ne fais pas, mais je les fais quand même. T'inquiète pas, je les aurais quand même. Nardonnet de François Magazine. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, retenu ce soir, A, les bouclages de journaux. Je vous adresse mes meilleurs voeux pour les 20 prochaines années et vous recommande le jeune Manuel Cira. C-I-R-A, ne pas confondre avec le cirage de chaussures. Qui rédigera le texte des gens travers pour les photos. Avec mes regrets et mes remerciements amicalement. Monsieur Nardonnet, c'est sympa. C'est pas tous les jours, pas tous les jours 20 piges, mais les gens qui travaillent dans les journaux, souvent ils pensent pas à nous, c'est très sympathique. Nous parlons, ça ne dérange pas, c'est vrai. Non, pas du tout. Hein. Tu veux qu'on parle de Paris Saint-Germain? Ouais, ben oui, il faut être content. Mais en tous les cas, c'est sûr que je ne voudrais pas être à la place de Paris. Non, c'est une responsabilité en dehors de la responsabilité financière. Énorme. Caroline, ça tombe pour moi. Alors Nico, qu'est-ce que vous venez fêter ce soir? Ben, je viens fêter les 20 ans de carrière d'Hervé Villard. Et je suis content parce que c'est un bon copain et il a beaucoup de talent. Il a tout le temps été très très gentil et je sais qu'il a eu une période un peu difficile et je suis content qu'il ait fait un comeback aussi réussi que le sien. Et vous, ça fait combien de temps que vous chantez? Ben moi, ça fait 23 ans exactement. Et comment ça s'est passé quand vous avez fêté vos 20 ans de chansons? Ben mes 20 ans de chansons, je les ai fêtés à l'Olympia, c'était lors de mon dernier passage. Et puis maintenant, le temps passe très vite parce que je vais repasser au mois de mars à l'Olympia. Et vous aimez bien les rendez-vous comme ça avec les gens du métier? J'aime beaucoup parce que ça nous permet de... Je considère ce métier un petit peu comme une famille. Une famille où se sont tissés des liens formidables depuis 20 ans. Et quand on se retrouve, on est content parce qu'on est tout le temps à droite et à gauche, on se croise souvent. Et ces anniversaires, ces fêtes nous permettent de nous réunir, de nous revoir et d'échanger des avis, de se revoir quoi, comme des membres d'une famille. Merci beaucoup. C'est moi. Sa guitare, c'est invraisemblable. C'est pas le président de la SACEM. Moi, j'ai apporté mon piano, par exemple. Revenons plus. Voilà, monsieur Delanoë. Je chante une chanson. Toi, tu joueras sur deux doigts. Ouais. Tu fais l'habitude. Il y a un piano. Très bien. Évidemment. Je sais pas où il est. Un piano magnifique, tu crois. Merci. Comment ça va, mon bien, tu as vu. La vie est belle, tu n'as toujours pas de la vie. Et la brunette, superbe, regarde. Bonjour, monsieur. Il a déjà beaucoup changé. Merci d'être là. Tu vas bien? Ça me touche. Michel. Quel est le Alors, qu'est-ce que vous fêtez ce soir?
Je fête les 20 ans de chansons d'Hervé Villard. Et alors ? Et alors, c'est un événement, parce que le petit Villard, quand je l'ai connu, il était tout petit, et puis au bout de 20 ans, il s'est devenu un grand. Et vous venez en tant qu'ami ou en tant que président de la SACEM ? Ah ben, c'est-à-dire que quand on a une étiquette, on ne peut pas s'en débarrasser. Hein. J'ai mon petit badge là, quelque part. Et non, je viens surtout en tant qu'ami parce que... Non, je viens parce qu'il a, dans son disque, dans son nouveau disque, qui est formidable, il a chanté les chansons des autres. Et notamment une chanson que j'avais écrite avec Fugain il y a pas mal de temps, et qui s'appelle justement « Je n'aurai pas le temps ». Et qu'il a chanté, à mon avis, aussi bien que Fugain. Et vous, vous n'avez pas fêté vos... Je sais pas combien, tième oui. chanson. Alors justement, il vaut mieux pas en parler. C'est trop vieux. Ça. À partir d'un certain stade, on ne fête plus rien. Là, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous aimez bien les anniversaires comme ça, les chanteurs qui de temps en temps se réunissent comme ça, des gens du show business et... Je n'aime pas tellement ça, non. Mais eux aiment ça. Et quand ils me demandent de venir, si ce sont des gens que j'aime bien, ben j'y vais. Mais je ne peux pas dire que je sois. Fou de ce... Je suis pas fou moi des anniversaires, j'aime pas les anniversaires, j'aime pas beaucoup les fêtes organisées, j'aime bien les choses qui sortent spontanément d'une réunion improvisée. Mais enfin, quand il s'agit de quelque chose. Non, parce que Villard, c'est quand même étonnant, ce type qui est si jeune. Je suppose que dans cette émission, on va le voir d'une façon ou d'une autre. Il a l'air d'un gamin, il a un joli costume, on croirait que c'est un premier communiant. Et pourtant, il a 20 ans de chansons. C'est étonnant, ça. Et vous aimeriez qu'il en fasse 20, encore 20 années de chansons, qu'il en reprenne pour 20 ans ? Bah, c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il en prenne pour 20 ans, puis moi aussi. Je t'en prie, Vika, tes nouvelles dans la chanson, oui, je vais voilà. quand même. Ça va, mon fils ? Merci. Merci. Tu as vu ce que j'ai vu ? Même moi, je trouve. Impeccable. Ça a bien fait. Maragan. Il a pas de nouvelles dans la chanson. Pourtant, c'est les verts. Magnifique, n'est-ce pas ? Pour toi, en tout cas, pour toi. La veste, mais pas les bons. T'es 20 ans. C'est normal. J'ai déjà dit. T'es 20 ans. C'est trop. C'est bon. C'est bon. On se met sur ton compte. Tiens, ça rime en plus. Vous allez bien, Alice, je suis vraiment touchée quand vous êtes là. De notre club. C'est du club, vous savez, où je fais la fête des jouets. Enfin, vous savez peut-être pas. Il y a des petits brillants, une petite émeraude. Enfin, vraiment, ils se sont fendus pour faire ça et c'est vraiment très beau. Qu'est-ce qui vous a fait ça ? On m'a remis ça hier à la fête du club où j'ai remis 7000 jouets aux orphelins de la Loire-Atlantique. Parce que chaque année, on fait une fête. On fait une fête où je demande aux gens qu'ils viennent gratuitement, puisqu'ils appartiennent au club des amis d'Hervé Villard, mais en échange, on leur demande d'amener un jouet qu'on remet aux orphelins d'un département. On passe dans une ville, par exemple, l'année dernière, on l'a fait à Paris, l'année d'avant à Dunkerque, l'année d'avant à Troyes. Cette année, nous l'avons fait à Nantes, et c'était vraiment très beau, et on a battu le record de l'année dernière, on a remis plus de 7200 jouets, et là, je suis très touché. Alors, ils se sont tous liés pour offrir ça. Et là, je peux vous garantir que j'étais très touché. C'était vraiment un moment très important pour moi. Bon. Ouais. Mais tu pourrais être avec nous, toi, vous acheter, toi. Pour la postérité. Bonjour, papy. Bonjour, mamie. Comme une valeur. Je suis la reine des 6 jours, c'était. C'est pas y prendre un pédalier sur la tête, ça me dit. Ça va ? C'est pas moi qui dois t'accueillir. Ça va, Julien ? Hervé qui doit t'accueillir. Il a reçu un texte. Ça va ? Giovanni. Ça va ? Giovanni.
amener, c'est moi qui devrais te photographier à force. Corps de cardio, j'étais en train de faire un peu de service, on a même pas le droit de se voir. J'ai eu des éditeurs, j'ai une surprise pour vous, je vous raconterai l'histoire. Giovanni, tu as des photos? Monsieur Revaux, mon producteur. Bonjour. Monsieur Macias. Merci. Merci, monsieur. Merci, RTL. C'est bien. Mon deuxième producteur. Dans les deux. Monsieur Régis Talla. Monsieur François Rassol. Ce gars, il n'est pas là, il vient pas, ce gars. Je me dis que
Je vais chercher Annie. Si, le mec est prêt, on va voir un petit peu.
magnifique. Je vous aime toujours de la salle. Moi, je me souviens toujours de toi.